Eh bien, bonjour à tous les amis, aujourd'hui c'est Rudy, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler tout simplement de Clash Royale. Comme vous voyez, je suis remonté à Arène 4, parce que vous savez, je vous ai dit que j'avais des bugs et tout. Et là, je suis enfin remonté à Arène 4, donc ça fait un peu plaisir. Et bien, vous verrez quand même son PK, on va garder le prince et tout pour gérer son PK. On va mettre un petit flux là. Dites-moi si je joue bien ou pas, perso. C'est votre idée. Là, par contre, j'ai pris sa tour. Mon dieu aussi va me prendre ma tour. Donc, il faut bien que je joue un mini PK. Trop tard. Trop tard, trop tard. Merde. Même merde. Là, du coup, ouais, on pourra poser les gargouilles. Les petites gargouilles qui vont faire le taf sur le bébé dragon. Vas-y, vas-y, défense. Oui, c'est bon. Ils l'ont défoncé. Ah merde. J'ai pas bien joué les archers là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Il a la rage. Moi aussi j'ai la rage. Après je vous montrerai un peu les cartes que j'ai. Parce que j'en ai débloqué que j'avais pas. Là la petite boule de feu. Faire plaise. Oui c'est bon. On a one shot. Sans armée de squelette. On va mettre un petit flux là. Ouais. Ah, il me def la tour là du coup. Rien qu'un petit coup. Il me def la tour. Nickel. Mais moi là, j'ai mis quand même un tarif là sur sa deuxième tour, les gens. J'ai mis un tarif. Perso, il n'y a plus trop de moyens qui s'en sortent là. Voilà. Là. Il me disait bien, il fallait que je joue les archers. Ici, là. Voilà, nickel. Il a le sort de rage, il a le rage. On va s'en souvenir. On va quand même gérer ça avec une petite boule de feu. Nickel, on va mettre le feu ici. Avec le PK pour gérer son prince. PK pour gérer son prince. Voilà, on est les gargouilles, mais ça va pas suffire. Il va gagner. Il va gagner, regardez. Il va gagner. À moins que là, je prends sa tour, mais ça serait quand même très très rare. Pourquoi je prends sa tour? Oh, non, c'est bon, je vais prendre. J'ai lui prends s'il défend pas. Ouais, ça me lui prend. Les gens, j'ai gagné. Ouais, j'ai gagné. Donc, un petit 3-1. Ça les plaise. Petit 3-1. Voilà. Allez, go. On va se relancer un petit combat. Alors, d'abord, je mets mon deck. Voilà. Mon deck comme ça. 3-9. Mais je ne vais pas mettre des cartes fortes. Voilà. Alors, j'ai en épique, j'ai le feu à gobelin, j'ai le prince, j'ai la sorcière, j'ai l'armée de squelette, j'ai rage, j'ai le arc X et le bébé dragon qui est ici. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu depuis. Voilà, donc mon deck, je pense qu'il est bien. Mais avec ce deck, en fait, je gagne, donc je le garde. En fait, il est bien pour défendre aussi attaquer. En fait, le prince, il peut faire attaque-défense, comme le feu à gobelin. Bon, le feu, on l'utilise pour attaquer des tours. Mais côté des archers, on va voir s'il réagit. Il réagit de l'autre côté. Bien. La petite boule de feu. Passe bien, là. Nickel. Ça explose ma mousquetaire, mais bon. On s'en fout un peu. Alors, ok. 1000 tarifs sur bébé dragon, la mousquetaire. Les gargouilles aussi, on est un tarif sur bébé dragon. Là, on a touché pas beaucoup. Mais déjà, on a un peu plus touché que lui. Et on met les archers. On met les archers pour gratter le prince. Ah, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais le prince, quand même. Qui est interdit. Ouais, donc j'ai toujours un peu l'avantage. On va jouer. Ah putain. On va jouer le prince, j'allais dire. On va jouer le prince. On va jouer mini PK. Mini PK. Pour gérer encore son PK. Nickel. On a bien géré son PK, je pense, là pour le coup. On va mettre la petite boule de feu qui passe crème sur la sorcière. Nickel. Nickel, nickel. Là, ma tour, elle aura plus qu'à la def. La def. Allez, vas-y. Bouge-toi. Désolé si j'ai la batterie faible. Oh, il a... oh putain, non. Il a ma tour. Il a ma tour et j'ai perdu. Il a ma tour et j'ai perdu. Donc, il reste une 23. 23, c'est un peu just pour tout rattraper. En sachant que j'avais pas mis beaucoup de points. Mais on va quand même essayer.
Avec le petit fût, je pense qu'on pourra bien gratter. Avec le petit fût, allez go. Ah putain, ça touche la tour. Ça touche la tour. Là, on va mettre un petit mousque, une petite mousquetaire. Allez go, vas-y, bouge ton cul, toi. Allez, vas-y. Nickel. On est bien là. 2030. 2030. Non, pardon. 1275 points de vie. On peut essayer. On peut essayer de mettre un tarif. On peut essayer. Prince Mini PK. Le petit combo là. Nickel. Le petit combo. Le petit fût là. Ah, il est très très bien ce combo. C'est pour ça que j'ai pris ces deux cartes. C'est le meilleur du jeu. C'est le meilleur du jeu, ces deux cartes. Enfin, pas les meilleurs. Mais pour l'arme que je suis, oui, c'est l'une des meilleures cartes. Bah, là, on va jouer super aérien, mon gars. Il faut pas qu'il touche. Il faut pas qu'il touche, putain. Truc de merde là. Ah, s'il touche. Il touche, il touche. Il met ça. Mais en fait, un sacré tarif. Sacré tarif. Prince contre prince. Prince contre archer prince. Ego. On va mettre un petit fût. À 10 secondes de la fin. Un fût. À 10 secondes de la fin. Un fût. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que ça sera suffisant? Non! La boule de feu. Putain. Non. Ah, putain, vous l'avez vu, vous l'avez vu. Les gens, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et écoutez, les amis, je vous dis ciao ciao, c'était Rudy Geek. Mais avant tout, on va quand même améliorer les petites cartes. Alors, dites-moi dans les commentaires laquelle vous voulez que j'améliore entre la mousquetaire et tout. Toutes celles-là, quoi. Toutes celles-là. J'aurais pas des épiques. Ah, si, celle-là, ouais, ouais, ouais. Dites-moi tout ce que vous voulez que j'améliore. Voilà. Je vous laisse un peu regarder. Mettez sur pause et notez. Voilà. Ouais, de toute façon, je sais pas. J'hésite en. Je sais pas. La cabane d'un barbare ou quoi. Les gens, c'est déjà le fin de cette vidéo. En tout cas, ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis ciao ciao. C'était Rudy Geek.